Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au compte de cette édition d'information. Voici les titres. Le général Amara Camara se prononce sur la soi-disant base militaire étrangère en Guinée. La Guinée à la réunion mondiale de l'éducation de l'UNESCO à Fortaleza au Brésil. Sur le continent au Nigeria, la peine de mort contre des mineurs inquiète. À l'international, Maurice, le Premier ministre, ordonne de bloquer les réseaux sociaux. C'était tout pour les titres, les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans l'actualité nationale. La fête de l'armée a été une occasion pour le chef suprême des armées de réunir la hiérarchie militaire au palais Mohamed V. Plusieurs d'entre eux ont été élevés en grade et ont réitéré leur soutien et leur détermination à servir la nation. Entouré de ses pairs hauts responsables de l'armée, le ministre secrétaire général de la présidence de la République a battu en brèche ce qu'il qualifie d'accusation fallacieuse contre la Guinée. Suivez. Comme vous le remarquez, vous avez derrière moi tous les promus au rang et à l'appellation de général que le chef de l'État a bien voulu gratifier par une série de décrets cet après-midi. Il était question de procéder au port des différents galons. L'occasion a été mise à profit pour encore témoigner notre fidélité, notre loyauté au chef de l'État, prier également pour lui par rapport à l'élévation au rang de général d'armée. L'occasion a été mise à profit pour parler des situations globales du pays. Essentiellement, un fait, on a perdu il y a quelques jours un de nos patriarches, Ella Sekouna. Il a été présenté au chef de l'État les condoléances de l'armée. Il a également profité de cette occasion pour présenter ses condoléances à la famille biologique de Ella Sekouna. Une minute de silence a été accordée. En marge de cela, il a été question des sujets divers. Il ressort clairement que des accusations fallacieuses sont montées par-ci et par-là pour dire qu'il y avait des bases étrangères en Guinée. Je dis et je réitère qu'il n'existe nulle part sur le territoire guinéen depuis 1958 jusqu'en 2024 une seule portion de notre territoire où il y a un soldat étranger. La Guinée assure par elle-même son intégrité territoriale et ne compte sur aucun pays pour assurer sa sécurité ou sa défense. Nous sommes formels sur ces allégations. Une autre chose que nous voulons porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, c'est que nous ne sommes pas ce pays qui servira de bastion ou de base, ou une quelconque force pour déstabiliser un pays voisin. On est formel là-dessus. Donc que ces allégations soient portées là où ça doit être porté et compris comme ça devrait être compris. C'est une insulte pour la nation guinéenne de dire qu'il y a une base étrangère en Guinée. C'est se renier, ça ne fait pas partie de nos valeurs. Nous sommes un peu très très fiers. Merci. La réunion mondiale de l'éducation, organisée annuellement par l'UNESCO, réunit les décideurs, experts et représentants des pays membres pour échanger sur les avancées, les défis et les stratégies concernant les objectifs de développement durable en matière d'éducation, en particulier l'ODD-4, éducation de qualité pour tous. Les images. Cette année, plus de 670 personnes, dont les dignitaires du régime brésilien, 51 ministres de l'éducation et 49 chefs de délégation y ont pris part. Tenue du 31 octobre au 1er novembre 2024 à Fortaleza au Brésil, la réunion avait pour objectif de discuter des initiatives visant à améliorer l'équité, la qualité et la résilience des systèmes éducatifs dans le contexte post-pandémique et face aux défis climatiques et technologiques croissants. La délégation de la Guinée était composée de Dr Youssouf Boundou Sylla, secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, chef de la délégation, M. Senkou Sylla, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée à Paris, M. Mamadi Sylla, assistant auprès de la délégation guinéenne auprès de l'UNESCO. La question enseignante, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, le leadership des directeurs d'école,
et chef d'établissement, le financement de l'éducation qui doit être perçu comme investissement et non une dépense du budget national de développement, la participation des communautés dans la gestion des écoles et la réussite des élèves furent entre autres points spécifiques débattus lors de la réunion. Au sortir de ces deux jours d'intenses travaux sur des thématiques intéressantes, d'importants résultats, recommandations, perspectives et prochaines étapes sélectionnées par une déclaration finale à l'attention des décideurs politiques mondiaux ont été dressées. Sur le continent, des inquiétudes au Nigeria pour 29 mineurs qui pourraient être condamnés à la peine de mort après avoir été traduits en justice vendredi pour avoir participé à une manifestation contre la crise record du coût de la vie dans le pays. Quatre d'entre eux se sont effondrés au tribunal, épuisés avant d'avoir pu plaider leur cause. Les images. Au total, 76 manifestants ont été inculpés de 10 chefs d'accusation, dont trahison, destruction de biens, trouble à l'ordre public et mutinerie, selon l'acte d'accusation consulté par l'Associated Press. Selon l'acte d'accusation, les mineurs étaient âgés de 14 à 17 ans. La frustration engendrée par la crise du coût de la vie a donné lieu à plusieurs manifestations de masse au cours des derniers mois. En août, au moins 20 personnes ont été tuées par balles et des centaines d'autres ont été arrêtées lors d'une manifestation réclamant de meilleures opportunités et de meilleurs emplois pour les jeunes. La peine de mort a été introduite dans les années 1970 au Nigeria, mais aucune exécution n'a eu lieu dans le pays depuis 2016. Akitayo Balungum, un avocat privé basé à Abuja, a déclaré que la loi sur les droits de l'enfant ne permettait pas à un enfant de faire l'objet d'une procédure pénale d'être condamné à mort. Le Nigeria dans les années 70 et sa dernière application dans ce pays date de 2016. Pour le 70e anniversaire du début de la révolution algérienne, une imposante parade militaire s'est déroulée à Alger ce vendredi. Les images. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a pris part aux cérémonies, saluant la foule enthousiaste depuis un char avant de présider la cérémonie officielle. Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale avait lancé une série d'attaques contre des cibles françaises en Algérie, marquant ainsi le début de la guerre d'indépendance. L'Algérie a officiellement déclaré son indépendance le 5 juillet 1962 au terme d'un conflit sanglant de 7 ans qui a mis fin à 132 ans de domination coloniale. Selon les autorités algériennes, cette guerre aurait coûté la vie à environ 1,5 million de personnes et elle demeure une source de tension dans les relations entre l'Algérie et la France. La commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée, en abrégé RGMEC, organe de surveillance de la paix au Soudan du Sud, a tenu aujourd'hui sa première réunion cruciale depuis l'annonce par le gouvernement d'une prolongation de 2 ans de la période de transition et du report des élections. Les détails avec Latif Alama. Lors de cette réunion, les partenaires internationaux de la paix ont exhorté le gouvernement à établir un plan de travail, un calendrier et un budget réaliste pour financer les tâches restantes de l'accord de paix avant les premières élections démocratiques du pays. Le Royaume-Uni, par l'intermédiaire de son ambassadeur Guy Warrington, a souligné que le retard dans le respect des engagements de paix et les obstacles persistants à l'avancement étaient principalement dus à un manque de volonté politique. Il a insisté sur l'importance de compromis nécessaires pour sortir du cycle de transition et réaliser des progrès significatifs. Nicolas Aissom, chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, a également mis en avant le besoin urgent d'un plan de travail pour restaurer la confiance des Sud-Soudanais et de la communauté internationale. Sur le continent, je vous l'annonçais dans les titres, le régulateur mauricien des communications a ordonné à tous les fournisseurs d'accès à Internet
de bloquer l'accès aux plateformes de médias sociaux à partir de ce vendredi et jusqu'au 11 novembre, le lendemain des élections générales, alors que le pays est ébranlé par un scandale d'écoute téléphonique. Les détails. Selon l'organisation de surveillance des médias Reporters sans frontières, une vingtaine de conversations impliquant des hommes politiques, des policiers, des avocats, des journalistes et des membres de la société civile ont été divulguées sur les médias sociaux depuis la mi-octobre. L'autorité des technologies de l'information et de communication a déclaré que l'interdiction temporaire des médias sociaux faisait suite à des publications illégales. Le bureau du Premier ministre a déclaré que cette restriction était nécessaire pour protéger la sécurité et l'intégrité nationale du pays à la suite de la publication de certains clips audio. Mtel, l'un des trois opérateurs de télécommunications, a déclaré qu'il était en train de mettre en œuvre la directive et que l'expérience des utilisateurs sera progressivement perturbée. Les commémorations de la fête des morts en Haïti ont été beaucoup plus discrets vendredi, alors que le pays continue de connaître une flambée de violence. Les détails avec Latifa Lamar. Les années précédentes, les centaines de fêtards vêtus de blanc et brandissant des bougies se pressaient dans le principal cimetière de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Cette année, seuls quelques adeptes du vaudou se sont aventurés à commémorer le jour des morts. Cette célébration intervient alors que la misère et violence s'aggravent en Haïti. Vendredi matin, des hommes armés ont été aperçus au cimetière situé dans une zone qui fait partie des 85% de Port-au-Prince déjà sous contrôle des gangs. Les fidèles ont entouré la tombe de la première personne enterrée dans le cimetière de Port-au-Prince, croyant qu'elle abritait les restes du gardien des morts, connu dans le vaudou haïtien sous le nom de Baron Samedi. Ils ont allumé des bougies et construit des hôtels avec des eaux, de la nourriture et des crushs de rhume de contrebande appelées clairennes pour les offrir aux esprits des morts en échange de leur protection. Mesdames et messieurs, ici prend fin cette édition d'information. Tout plaisir était pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur IBM TV. Au revoir.